Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane de la chaîne Retro RPG. Bon, petite vidéo habituelle, mais avant tout, je vais vous parler de mon petit partenariat que j'ai eu avec Eneba. Alors pour ceux qui ne savent pas, Eneba, c'est quoi? C'est un site, un marketplace qui permet aux vendeurs et aux acheteurs de s'acheter des jeux. Ainsi, pour certains, ceux qui ont des jeux en double de leur collection, ça leur permet de revendre. Ou pour ceux qui jouent plus, ça permet de revendre leurs jeux. Et pour ceux qui cherchent des jeux rares à prix correct, et ben ça leur permet aussi de trouver les jeux qu'ils cherchent. Alors, le petit avantage d'Eneba, c'est que pour toutes les personnes qui vendent leurs jeux dessus, il y a un petit bonus de 5 euros sur leur première vente. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. C'est extrêmement sécurisé, aussi bien pour les vendeurs que pour les acheteurs. Ça évite un petit peu les rencontres extérieures, un peu de nuit et autres, tu vois le genre quoi. Donc au moins, t'envoies ton jeu. T'es chez toi, t'es payé par Eneba et pareil pour l'acheteur. L'acheteur, il commande son jeu, il reçoit son jeu chez lui ou en point relais et il reçoit son jeu en toute sécurité. On a tout type de paiement, un paiement carte bleue, on a même le choix de paiement par PayPal. Alors moi, j'aime bien PayPal, donc c'est un gros avantage, ça, je trouve. Et le petit plus qu'il y a sur ce site-là, c'est c'est un site qui vend que des jeux vidéo, rien d'autre. On y trouve toutes sortes de jeux vidéo, on y trouve des jeux rétro, des jeux next-gen, on y trouve des jeux PC, on trouve même des clés de code pour certains jeux PC, on trouve des jeux des jeux Steam, enfin il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est vraiment pas mal. Alors moi j'ai déjà fait quelques achats et je continue à acheter dessus. Les jeux que j'arrive pas à trouver, le plus souvent j'arrive à les trouver dessus à prix vraiment correct. Donc voilà, bon, place à la vidéo, à plus tard. Petit tour à Micromania, il y a des belles promos sur la PS3, PS4, Xbox 36 et Xbox One. Bon, on va voir ce que ça donne, on va voir si ça vaut le coup ou pas. Bon, tout de suite. Thank you.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Sofiane et Iliane. Et je vous présente mon fils, il a 8 ans. Alors j'ai fait la vidéo avec lui car il kiffe YouTube. C'est un grand fan de YouTube et du vidéo. C'est qui tes youtubeurs préférés? Doliflanico. C'est tout? Tu m'as pas dit Polo à un moment donné? Mais Polo, Polo bleu et Polo. Polo quoi? Viens, approchons, on voit pas. Il y a Polo bleu aussi. C'est... une autre chaîne de Polo. Ah, c'est Polo et... Il y a Polo bleu et Polo. Faut pas crier, hein, c'est la caméra juste à côté. Ouais, je sais. Enfin, le micro juste à côté. Donc Polo, c'est un youtubeur que t'aimes bien? Ouais, il a 3 000... Je crois qu'il a 2,3 millions d'abonnés, je crois. Ah ouais, il y a quand même beaucoup d'abonnés, ouais. Oh, mais ouais, parce qu'il a fait 363 vidéos, je crois. Ah ouais, il connaît pas qu'un nombre de vidéos qu'il a fait. Polo, non, fait mais faut demander à Alexa, hein. On me pose la question à Alexa à l'occasion. Et Polo, il a fait beaucoup de vidéos. Hein. Franchement, Polo, c'est un bon youtubeur. Moi, j'aime bien. Il fait des très belles vidéos. Et mon fils, il est fan de Polo. Et il nous fait rigoler des fois. Ouais, parce qu'il crie, il fait fou et tout. Ouais, il fait ça. Madouille. Madouille, ouais. Il est très bon youtubeur, Polo. Ouais. Bon, en tout cas, et à part ça, c'est quoi ton jeu préféré? C'est Final Fantasy 7. Ah ouais, sur PS4. Et qui est Final Fantasy 7? Avant, je jouais que à Mario, des trucs comme ça. Un autre jeu aussi que voilà, mais là Final Fantasy 7 il fait que de jouer à ça maintenant et c'est son truc. Je préfère Final Fantasy 7 remake, hein, je parle du remake, hein, pas de l'original, il a pas joué à l'original. Et c'est quoi d'autre à part Final Fantasy 7 que t'aimes bien? Little Nightmares 2. Ah ça faut pas dire ça, les gens, hein. Hey, ils rigolent, hein, ils jouent pas à ça, hein, c'est pas de son âge, hein. Non. Mais Mario, t'aimes bien Mario aussi, hein? Ouais, mais maintenant je suis pas trop fan, hein. Pourquoi? Je sais pas, parce que maintenant ça m'intéresse plus Mario. Ah ok, et Sonic? Sonic? Ouais, ça m'intéresse. D'accord, bon. Voilà, il y avait. Tu te rappelles qu'on avait regardé Sonic 2? Ben. On avait vu. Ah, les gars, il vous a spoilé dans le film. Faut pas spoiler les gens, ça c'est spoilage, ça veut dire que tu spoiles, c'est-à-dire que tu racontes le film. Bref, vas-y, on va. Vas-y. On va continuer. En tout cas, voilà. On va vous présenter. Viens ici, parce qu'on ne te voit pas. On va vous présenter les jeux. Alors, regarde la caméra, c'est comme ça, les gens le voient. Alors, les jeux, on a acheté, enfin, j'ai acheté 49 jeux chez Micromania. J'ai fait la vidéo en deux parties parce qu'il y a beaucoup de jeux. J'ai acheté des jeux PS3, Xbox 360, Xbox One et PS4. Donc, on va commencer que par les jeux PS3 parce que c'est ce qui a le plus. Ensuite, on fera une deuxième partie de vidéo avec les jeux. PS4, Xbox One et Xbox 360. Voilà, bravo, c'est ça. Ouais. Donc, vas-y, premier jeu, c'est quoi, Yann? C'est Gold of War. Enfin, il y a Gold of War 3. Voilà, Gold of War 3. Il est complet ou pas, Yann? Ouais. Non, ça va. Ça va. Il est complet. Complet, c'est-à-dire qu'il y a Notice et le jeu. Ouais, mais je sais pas, ça veut dire quoi, Notice? Notice, c'est le livret qui t'explique. Ah. Ensuite? Après, Sacred 3. Attends. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ce que... Fire Edition. Scarlet 3, Fire Edition, donc voilà. Ah oui, en plus, j'ai pas vu... En fait, sur ça, j'ai pas vu les gars. C'est complet. C'est complet. Par contre, j'ai pas vu les... C'est le jeu avec la boîte et tout en anglais. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ensuite. C'est Tomb Raider Underworld. On va voir si c'est complet. Ouais, c'est complet. C'est complet. Donc, Tomb Raider Underworld, il est complet. Notice, jeu, tout. Voilà. Ensuite. Grand Theft Auto 3. Non, c'est 4. À 4. Ah oui, je... Grand Theft Auto 4, GTA 4. Donc, ouais, complet avec même la carte postale dedans. Donc, voilà, content. Je l'avais déjà, mais bon, c'est pas grave, ça, j'avais déjà. Ensuite. Je vais regarder ici. Ouais. Split 6 secondes Velocity. Split secondes Velocity, complet, nickel. Moi j'allais dire si c'était complet. Hein, mais ah, dis si c'est complet ou pas. Icon, Def Jam. Faut regarder la caméra à chaque fois. Des spectateurs, faut qu'ils regardent les. C'est complet. Complet. Ça, tout ça, c'est des jeux quoi, Yann? PS3. PS3, ok. Battlefield Hardline. Oh, mais tellement que c'est en anglais. Oh là là. C'est voilà. Battlefield Hardline. Non, mais ils font. Non, mais les titres, complet. Ils font tout
sont en anglais, oui. Oui, c'est pas des, la majorité, c'est des jeux qui ne sont pas forcément français. Datemen. 18 ans en plus, on voit. Ah, faut montrer les jeux à chaque fois. Ah oui, j'ai oublié. Can et Lynch, Deadline. Ouais, Deadman plutôt, que Deadman. Donc complet. Ensuite. J'espère que Final Fantasy, c'est complet, hein? Need for Speed Undercover. Need for Speed Undercover. Complet. Oh, mais comment tu vois si c'est complet, hein, parfait? C'est qu'il y a tout dessus. Il y a tout dessus. Ouais, mais je sais, sauf que quand tu les montres, regarde, ben, tu fais ça là. Et moi, je les vois même pas, oui. Allez, la défense, pas pour poursuite. Ah, 7 en plus, hein. Need for Speed, haute poursuite, donc complet, nickel, bon état, enfin bon état, ouais, ça va, c'est correct, on va dire. Vas-y. Max Payne 3. On dirait pas le Max. Donc Max Payne 3, complet, Moi, je pense nickel. très. Naruto Attends, Ultimate Ninja Storm. Oh my god. Oh, j'ai du mal à lire maintenant. Complet. Naruto Ultimate Ninja Storm, complet, nickel. Si en plus j'avais acheté il n'y a pas longtemps sur Vinted. Non mais c'est pas grave, laisse tester, ça va partir. On retire ça plus tard. Ouais, j'ai pas encore nettoyé les jeux, faut que je nettoie et que je retire toutes les étiquettes, et ça me fait du taf. Hein. Laisse ça, c'est bon Yann, pourquoi tu retires ça? On s'en fout de ça. Alors, Gran Turismo 5. Complet, nickel. On retire pas les étiquettes, on verra ça plus tard. Vas-y. Wanted Corp. Donc, Wanted Corp, complet. Non, mais si, il aurait dû mettre les E ou alors on sait lire. En anglais, Ouais, donc ici. ben, on sait déjà. Redemption. Red Dead Redemption, nickel. Il est complet. Alors, j'ai pas fait de son, mais ici, la boîte est. Le truc, le plastique est un peu abîmé, mais bon, c'est pas grave. Bon, On dirait que tous ces jeux qu'on vient d'acheter, il est complet. ouais. Oh, vas-y, lis ça, s'il te plaît, Ça parce va que. servir. Alors, c'est Tom Clancy Rainbow Six Vegas 2 avec un autre jeu dedans. Il y a deux jeux. Il y a Tom Clancy Ghost Recon 2. Donc, c'est un lot de deux jeux dans le même CD, dans le même Blu-ray plutôt. Ah, on dirait que. On va. Et Donc, tout le nickel. monde va en acheter un. Donc, voilà. Vas-y, ensuite. Transformer, la revanche. Non mais ça crie train. Transformer, on dit. Ensuite. Bakugan Battle Brawl. Donc complet, content. T'es content? T'as Ouais. envie de le jouer, on dirait. Resident Evil 5. Maintenant, je l'ai lu. Complet. Ah, tous les jeux sont complets. Resident Evil 5, complet sur PS3. Evil 6. Resident Evil 6, Oh, complet. complet. Il y a même encore le ticket de caisse de Micromania quand je suis allé ce jour-là. Micro-monnaie. Donc voilà. Plein de consoles de jeux. Hein. Et un petit peu de pull. Final Fantasy 13. Final Fantasy 13, alors il Même est un peu si dégueulasse, faut que je nettoie. je connais pas les XV. Les X et I, mais C'est chiffres romains, tu vas bientôt les apprendre à l'école, mais sans je les apprendrai. Donc Final Fantasy 13, complet, alors la boîte elle est un peu grise, je suis pas sûr que c'est son vrai truc. Mais ça m'a pas l'air d'être une version Platinum, mais bon, j'en sais rien. tiens, tu la ramènes la PS3, je vais l'essayer. Vas-y, tu essaies à l'occasion, pas de soucis. Final Fantasy 13 encore. Toujours Final Fantasy 13, ouais, je suis un grand fan de la série Final Fantasy, donc j'ai pris plusieurs fois. Final Fantasy 13 2. Final Fantasy XIII 2, complet aussi. Et là, c'est quoi encore? Final Fantasy 13 2. Donc j'ai pris Final Fantasy XIII 2 toujours. Nickel, complet. Là. Là, c'est pas la même. L'Extinguer Returne Final Fantasy. Final 13. Fantasy. Final Fantasy XIII, Lightning Return, complet. Nickel. On dirait pas retour. Pareil. Le même jeu.
Idem, Final Fantasy 13 Lightning Return, donc complet, nickel. Content. Ensuite. 20 quiz. Oh my god, on voit flou en plus. Ouais, c'est un jeu avec effet hologramme sur la boîte. Donc, Vanquish, complet, nickel. Avec ce petit effet hologramme, je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà. Ensuite. Doom 3. Donc Doom 3, complet. La boîte est en très très bon état. Par contre, j'ai pas fait de son. Il était abîmé en bas, il était un peu cassé. Bon, tant pis. Hein. C'est les boîtes, de toute façon, on peut en retrouver facilement. Doom 3, complet, nickel. Alors, Borderland 2. Borderland 2. Ça, oh, c'est creepy, on dirait. Mais quand même, c'est creepy. Je crois qu'il ne voyait pas les gens. C'est complet. Borderland 2, complet. On fait comme ça. Non, mais c'est creepy, oui. C'est quoi, creepy? Ben, Borderland 2. Ah, je ne sais pas ce que dire creepy. C'est quoi, creepy? Ben, ça veut dire qu'il fait peur. Hein. Ah, ok. Dernier jeu, Uncharted 2. Uncharted 2, alors j'ai pas le cerveau ici. Non, c'est un serpent en route. J'ai pris ce modèle Uncharted 2 car c'était le modèle avec le fourreau et le steelbook, donc je suis quand même content. Donc voilà, il est complet, nickel. Donc voilà, bon, sur le jeu PS3, c'est tout. Pour rappel, on a eu le jeu PS3 à 2 jeux à 5 euros ou 3 jeux à 7,50 €. Enfin, il y a 9 euros. 9 euros quoi, non? Enfin, 10 euros, on va le dire. Parce que 9,90 €. Non, non, c'est pas les bons prix qui est écrit dessus. En fait, c'est une promo. C'est pas les bons prix qui est écrit dessus. Ah, d'accord. Donc, ouais, 2 jeux pour 5 euros ou 3 jeux pour 7,50 € ou 4 jeux pour 10 euros, ça revient au même que 2 jeux, 2 plus 2 égale 2 plus 2 égale 4. Donc, forcément, ça fait 10. Donc voilà, c'est tout pour les jeux PS3. On va faire une seconde vidéo aussitôt. Pour vous, ce sera un peu plus tard, mais nous, on va faire aussitôt pour vous présenter la suite des jeux qu'on a chopé à Micromania. Pour rappel, on a chopé au total 49 jeux. 49 jeux, c'est mélangé Xbox One, Xbox 360 et PS4. Ah, j'aime bien ouais, PS4. Et PS3 aussi. PS4, t'aimes bien? Ouais, et PS3. Ben, de toute façon, les PS3, on a déjà montré. Oui, parce qu'on a déjà montré. Donc voilà, bon, bah, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère à bientôt. Tu passes bonjour à qui comme youtubeur? C'est qui ton youtubeur préféré? Ben, Polo. Polo Bleu et Doliflamingo. Ouais, il vous kiffe, Polo et Doliflamingo. Doliflamingo, je ne connaissais pas spécialement. Mais c'est un youtubeur qui fait parfois des vidéos creepy et parfois des vidéos d'enfants, un peu enfants. Et voilà. D'accord, je regarde l'occasion. Polo, je connais bien, il fait des très bonnes vidéos, je trouve. Et Doliflamingo, ça? Doliflamingo. Doliflamingo, je vais essayer de regarder à l'occasion, je ne connaissais pas. En tout cas, bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker. Vas-y, dis-le. Non, mais c'est bon, tu l'as bien dit, Et ah oui, et ce qu'il voulait dire aussi, c'est n'hésitez pas à activer les cloches de notification en même temps. Donc voilà, c'est tout. Bon, j'espère à bientôt. Ilian, qu'est-ce qu'on dit? Bye! Ciao tout le monde!